Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus au bout du confinement sur l'île des gens. C'est ici que de nouveaux aventuriers vont affronter Piglong. Et ce n'est pas tout. Ils vont devoir se mesurer à des héros de Piglong. Qui est sûr qu'ils vont tous. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'épisode 7 de Piglanta et du Jean. Donc, nous sommes dans le dernier épisode avant la réunification. Aujourd'hui, malheureusement, on va voir deux candidats vont nous quitter. Le premier par le biais d'une contre-immunité et le deuxième, c'est suite à la décision des ambassadeurs ou éventuellement un des ambassadeurs. Alors, comment vous sentez? Vous êtes près de la réunification. Est-ce que vous perdrez des membres par Comment? C'est tendu. La vraie question est, est-ce que vous êtes prêt à perdre un membre? Ah, mais qui est pessimiste? Un voire deux. Elle est réaliste aussi. هاي هاي قاعد الحنان فيكم دابا نشوفوا في لا ريد ما كاين كل واحد الجناوه دي نوضوا دابا راه باقيين من بعد راه شاكان بوغ سوا فراسكم ولا فراسكم الو كلشي تريست كلشي دي سورسي فونسي ما كومش شويه بحال نتقاتل غادي نضحكوا الو فين هو Finalement, notre invité, Salim. Ah ouais, Salim. Active la vidéo. Bonsoir. Bonsoir. Et alors, présente-toi. C'est le qui? Bonsoir à tous. Et je suis en deuxième année de médecine. Bonsoir à tous. Je m'appelle Salim Naraqi. Et je suis en deuxième année de médecine. Et je suis très heureux d'être parmi vous pour cet épisode. Donc, bon courage à tous. Merci. Vous avez des questions à lui poser? D'abord, le but c'est de le battre, Yac. Il peut pas le battre de toute façon, donc ça c'est sûr. Ça va être presque impossible. Mais je sais presque, c'est impossible. On sait jamais au 7. On se lâche un père, on laisse filer la connexion. On a ma chance. Alors, je vais comme le thème Gobilet parce que je vais comme en même moment. Mais je suis équitable, donc à t'étudier comme à t'étudier. Bien sûr, ce n'est pas les questions, mais à t'étudier le thème, d'accord? Alors, pour le battre, ça va être impossible. Mais moi, je suis très gentil, d'accord? J'ai envie de vous aider pour pouvoir le battre. D'accord? Donc, à t'étudier le quiz, d'abord, le quiz de la culture générale. Je ne sais pas si c'est le quiz culture générale, il y a 1000 points de plus. Le même team mettait, ça fait? Ok. Ok. Alors maintenant, si Salim gagne aussi la culture générale, il va avoir les 1000 points. Ouais, il n'en a pas besoin. C'est juste pour vous. Tu vois, impossible de le faire. Mais bon, on ne sait jamais. Mais moi, maintenant, on combat de foot. J'ai des bons deuxièmes années. Ça a pris tout l'heure. C'est de 1000 points fmentir ce drawel. Ça va. Ah bon? C'est une question, ça dit. C'est une question à 0 seconde. 0 seconde, 1000 points. Avec les jeux objectifs 0 seconde, il y en a sur place, c'est 1000 points. Ah, d'accord. Je ne sais pas qu'il y a 1000 points, là, ça fait la différence. Je ne sais pas qu'il y a 1000 points. Le quiz LOL, c'est juste pour avoir 1000 points de plus. Celui qui gagne, il aura 1000 points de plus. Ça fait? Alors, si Salim gagne le quiz que tu général, il n'aura rien. On va dire à 0. Ça fait? Il y a LOL, mais il y a une élimination. Il y a juste pour avoir 1000 points pour pouvoir battre Salim, ça fait? Ok.
خصنا الكود اوكي طبعا جميل انا نيو كيتو بريباري شو شامل واحد من ستة؟ الله أكبر قريتوهم ياك؟ نعم Ah, tu veux l'arbitre en plus? Oui. 63. Il y a le code, dis-le le code et disparaissez. Hicham Khan Ayan Tumouad. Selim, Selim? Oui. Tu es un sacrat, mentimètre. Tu dis le code ou mentimètre et disparaissez. Dès la fin du questionnaire, revenez à la réunion. Vous avez compris, comme d'habitude. Ok, ok, ça marche. Reste avec moi, Hicham Babzine et Mouad. Yalla, notez le code et disparaissez. Allez. Mouad? Oui, avec la fin, le résultat, tu notes la note de celui qui a gagné, ça fait? Oui, bien sûr. Haja disparaît. Prends le code et disparaît. Tu ne peux pas rester ici et brûler le maintien. C'est impossible. Tu as compris? Oui. Ça va, Hicham? D'accord. كلهم بالعربية شحال 15 ولا 20 10 celui qui va gagner va avoir 1000 points de plus que Salim واخا ديك 1000 points donc نعم Salim عرف la réponse non non mais c'est lui qui avait gagné le quiz flanfi عندي flanfi théâtre عندي deuxième année d'accord c'est pour cela je sais pas un peu smart on verra مزيان ثقافة عامة يكون فيها كل شيء خاص ان بون ميدسان يكون عنده كل شيء ان فيت يلاه نبداو معاهم جو بونس ا تول موند لا دابا غادي نشوفوا اسكو سي سون كونيكتي ليش ما تعطينيش باش ندوز يلا توكل على الله يلا بسم الله ماشي ما تعطينيش لا ما معاد مع العربية نعم عندكم العربية سي يلا ميم شو صافي نبداو صافي يلا سون 12 يلا بسم الله 3 2 سون 12 ولا انا شكون زيد شكون زيد شي واحد زيد شي واحد زيد سي بيزا شي واحد داخل اسبيا معاد السؤال الأول من هو من أمر بجمع القرآن الكريم
أنا نقول أنا أنا نقول أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب أول من أمر بجمع القرآن الكريم هو أبو بكر الصديق عاد تم الجمع ديالو من بعد ولكن الأول اللي أمر بالجمع ديالو هو أبو بكر الصديق خدين هما بالزهراوي بان ليا يعني في اي سنه هجريه فرض صيام شهر رمضان السنه السنه الاولى للهجره السنه الثانيه للهجره ام السنه الثالثه للهجره ام السنه الرابعه للهجره في اي سنه هجريه فرض صيام شهر رمضان اش بان لك معاذ السنه الثانيه بقيت محقر باقي عقل اش بان لك هشام ربعه ولا تعود نومان ربعه لا السنه الثانيه ان شاء الله نرشي ديال الزهراوي ما يمكنش وما تسمعناش دابا دونك يا باتيس غازي معاد السؤال الرابع كم مره في القران الكريم في ذكر شهر رمضان مره واحده ثلاث مرات خمس مرات ولا مره ولا مره ثلاث مرات لا هشام شحال مضى معاد غتكون خمس مرات مرة واحدة سورة البقرة مرة واحدة تكون البقرة شهر رمضان الله أكبر الله أكبر مرة واحدة شهر رمضان الذي ذكر فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن يلا كليك خدامين بالزهراوي السؤال الخامس كم رمضان صام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ سبع رمضانات، ثمان رمضانات، تسع رمضانات، عشر رمضانات. أش قلتي يا هشام؟ سعود. المعاد أش قلتي؟ أنا قايل سعود. متفقين، اللوطو. لا. سعود. سعود. حيت من الثاني تال 11. في الحاشية دي موت من بعد الحج دونك السؤال السادس في أي سورة ذكرت كلمة الريحان الرحمن 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 إنسان واقعة مجادلة فإن سورة معاد الرحمن عارفة؟ نعم نشوف واش دارو طامر طامر لاباس بدات يرجع المورال سؤال الثامن كم عدد سور القرآن الكريم 114 رجع المغرب بعدا نبخروك شوية 114 خير خير يلا نبداو شوية تيجاوبو سؤال التاسع متى فرضت الصلاة عند نزول الوحي لأول مرة عند حادثة شق الصدر عند الإسراء والمعراج عند الهجرة النبوية أجب لك هشام وقيل حادث شق الصدر نو معاد الإسراء والمعراج إسراء والمعراج كيفاش كيفاش قال لي في البغي يدير 50 صلاة وخف عاد هبط لي 5 صلوات جاوبوا مزيان برافو سلمون المسكي سلمون هو السعد برافو علي سعد لي تري عندو لا كولتور جينيرال سي بون موعد نقيد غير صافي دغيا رجع ماما شحال جاب له شحال جاب سميتو ديال الدوزيام اني لا جاب صافي استاد صافي رجع
شكون ربح حصل بلاتي عرفتي اش درتو اللوطو بعدا اللوطو الله يسمح لنا وانت ذاكي بزاف راه ميمكنش راه داك الشيء عالمي راه بزاف كاع واخا تكون ممكن ان شاء الله هيك عرفتي اش درتو اللوطو والزهراوي بعدا استاذ هذا باش ما نكذبوش عليك الثقافه عامه ماشي انا كنقرا داكشي ديال فيرجينيا ابغار سيلفان ودوغوت مي نقرا على لا كولتور جيف في الميديسين ماشي ديال فيرجينيا ابغار وداكشي الو معاد كي غاني دونك سي سي غاني عليك سبيسياليست دي مانتا السيد هذا داكشي علاش Alors d'abord, très bien. Alors Saad, tu auras. Oui. Alors tu. Comment ça va se passer d'abord? Il y aura des tours, yak. Oui. Le premier tour c'est très simple. Les jobs que tu as mis Salim, ça fait les sauver. D'accord. Voilà, deux autres deuxième tour, et deux autres jours. Troisième tour, quatrième tour, cinquième tour, ça fait le chrib kawahed. Le dernier qui va rester, il est éliminé définitivement. Ça fait? Bien sûr, il y aura plus de questions. Plus de questions au premier tour, moins de questions au Mahapin, ça fait. Donc, premier tour, c'est 20 questions. Mais d'abord, on quitte la conversation, je t'installe au quiz. Là, à chaque tour, vous revenez à. Les tours, c'est un audio à zéro. Ah, ok. D'accord. Le premier tour, il faut dépasser Salim. Gali fait Salim immunisé, ça fait. Ouais. Donc, après, je vais partir chercher mon quiz. Maintenant. Saad. Oui. Le score de Red Jib, Ranzi 2, les 1000 points, ça fait? Oui. Donc, normalement, là, tu entres devant le mail en British. ريتا واش كاينه البنك ديال كتبت صابو كاع ما كاينه واه واش يدخل على ميم كيش تسنى لا ريتا ما كايناش هازار واش تسنى انا عيط له ما عيط له بنك صابو كي صابو كان Vous êtes prêts?
Est-ce que vous êtes prêts? Oui, pour un nouveau métier. Oui. Professeur, avec le code out. Quel code out? Je vais tout vous afficher. Ok. انا غادي نجبد لكم لو كود بسم الله يلا زيد بري يلا اون بارطاج هاو يلا سي لو كود 17 26 39 celui qui va battre Salim est immunisé jusqu'à la réunion. Il passe dans la prochaine étape. C'est bon? Disparaissez. Prenez le code et disparaissez. Et à la fin du quiz, vous revenez, bien sûr. Mouad et Hicham, vous restez avec moi. Rita, vas-y, prends le code et tu disparais. Asma, tu disparais aussi. Rita disparaît. Asma disparaît. Ok, les mchaux. C'est bon, Mchina? Yallah, moi, tu lis le caféine, ok? Donc, cas clinique 1. En arrivant à une salle de TD de votre faculté, vous remarquez qu'il y a beaucoup de fil noir à l'intérieur de cette salle. Alors, en arrivant à une salle de TD de votre faculté, vous remarquez qu'il y a beaucoup de fumée noire à l'intérieur de cette salle. Si vous êtes dans le lab en ce cutane, mon bras chijo, 12. Donc, question 1. À quoi devez-vous penser en premier lieu? En premier lieu. À quoi devez-vous penser en premier lieu? À l'existence d'un extincteur d'incendie, à l'existence de fenêtres pour aérer, à alerter, à la protection de soi-même. À quoi devez-vous penser en premier lieu quand vous arrivez et vous trouvez une fumée dans une salle de TD? Et la bonne réponse était la protection de soi-même. Donc, on vous dit qu'il y a une victime bloquée à l'intérieur de la salle de TD. Vous décidez alors d'effectuer un dégagement d'urgence. Alors, Fachou Soto, vous avez pensé à protéger vous-même. On vous dit qu'il y a une victime bloquée et vous avez dit qu'il faut faire un dégagement de l'urgence. Donc, deuxième question, pour effectuer ce dégagement d'urgence, vous devez vérifier tous ces éléments sauf un, lequel? Si la victime est vivante ou pas, si la victime est visible, s'il n'y a pas d'obstacle, si la victime est accessible. Alors, que faut-il vérifier avant de dégager? Normalement, il y a trois critères qu'on fait souvent à l'amphi. C'est visible, accessible et pas d'obstacle. Très bien, tout le monde a bien répondu. Donc, troisième question, ce dégagement ne peut se faire que par les poignets ou les chevilles. Vrai ou faux? Ce dégagement ne peut se faire que par les poignets ou les chevilles. Vrai ou faux? Ce dégagement de l'urgence ne peut se faire que avec les poignets ou les chevilles. Vrai ou faux? C'est faux. Parce qu'on peut le faire en portant le patient sous les aisselles, surtout s'il y a un terrain accidenté. Donc, malheureusement, la victime n'était pas visible. Vous décidez alors d'alerter pour contrôler ce danger. Alors, on n'a pas pu réaliser le dégagement parce que la victime n'était pas visible. Donc, on décide d'alerter.
Quatrième question, quel est le service que vous allez devoir alerter en premier? La protection civile, le SAMU, la gendarmerie royale, la police? Alors, par rapport à cet incident précis, on va alerter qui en premier? Les pompiers, les SAMU, les gendarmes ou la police? Et bien évidemment, c'est la protection civile parce qu'il y a un problème d'incendie de sécurité. Donc, cinquième question, vous allez alors devoir leur transmettre toutes les informations utiles suivantes, sauf le lieu exact de la faculté, le numéro de téléphone de la victime, la gravité de la situation, les gestes déjà effectués. Et ça devrait être le numéro de téléphone de la victime. Voilà, c'est pas intéressant. Et tout le monde a bien répondu. Le service que vous avez alerté est arrivé. Il contrôle le danger et vous fait sortir la victime. Un étudiant de 19 ans, il est inconscient. Quel est le premier réflexe à avoir devant cette situation? Le mettre en position latérale de sécurité, le mettre en position latérale de sécurité gauche, réaliser deux insufflations de base, effectuer une libération des voies aériennes. Alors, on vous fait sortir un étudiant de 19 ans de deuxième année, il est inconscient. On commence par quoi? Très, très bien. Il faut effectuer une liberté des voies aériennes. Question 7, il se peut que cet étudiant inconscient soit déjà en arrêt cardiaque. Vrai ou faux? Il se peut qu'il soit déjà en arrêt cardiaque. Est-ce vrai? C'est vrai. D'ailleurs, parmi les premiers signes de l'arrêt cardiaque, c'est l'inconscience. Huitième question, vous décidez d'appliquer la méthode VES qui signifie visualiser, écouter, sentir, voir, entreprendre, sentir, voir, écouter, sentir, voir, écouter et soutenir. C'est bien évidemment voir, écouter, sentir. Donc, après votre VES, vous trouvez que cet étudiant inconscient est en train de respirer. Vous décidez de le mettre en position latérale de sécurité. Question 9 concernant la position latérale de sécurité. Elle va éviter la survenue des vomissements. Elle va éviter la survenue de l'inhalation pulmonaire. Elle doit se faire obligatoirement du côté gauche. Elle ne doit même pas être réalisée chez cet étudiant. L'inhalation. Il va éviter la survenue de l'inhalation. Non, non, pas obligatoirement. Obligatoirement du côté gauche de la femme enceinte. Merci. Donc, vous êtes à bord d'une cas clinique. C'est le deuxième cas clinique, Amad. Deuxième cas clinique. Vous êtes à bord d'une voiture sur une autoroute et vous assistez à un accident de la voie publique qui vient de survenir, avec une seule victime encore bloquée dans la voiture. Concernant la protection, vous allez vous arrêter bien avant l'accident. Vous allez mettre un triangle de signalisation après l'accident. Vous ne devriez pas couper le contact de la voiture accidentée. Vous allez faire descendre les occupants de votre voiture. Vous
Très bien. Il va falloir faire descendre. Et au contraire, il faut s'arrêter après l'accident et mettre le triangle avant l'accident et couper le contact chaque fois que c'est possible. Après votre protection, vous faites dégager la victime qui est visiblement inconsciente, mais présente un saignement sur une fracture de la cuisse droite. Donc, il a une cuisse droite qui est fracturée avec un saignement et elle est inconsciente. Donc, troisième question. Pour arrêter ce saignement, vous décidez de mettre en place une compression directe par une main protégée, une compression directe par un pansement, une compression indirecte au niveau du pli de nerf, un garrot. Alors, la compression directe va être contre-indiquée parce qu'il y a une fracture dessous. La compression directe, c'est abandonné dans les nouvelles recommandations, donc il faut mettre un garrot. Vous décidez après d'alerter le service de secours des autoroutes. Vous allez donc demander à quelqu'un d'appeler le numéro suivant. Le 0550, le 5050, le 5005 ou 0055. Et je suis amené à numéro 9. 5050. Oui. Je pense qu'ils vont devoir tout aussi bien répondre, normalement. Il va être zigulé à 0050. Donc, les secours tardent et un témoin curieux vous dit qu'il vaut mieux relâcher le garrot. Vous lui dites que ce n'est pas une bonne idée car relâcher le garrot comporte des risques. Quels sont justement les risques liés à la mise en place d'un garrot? Hypernatrémie, insuffisance hépatique, alcalose, hyperkaliémie. Alors bien évidemment, les trois risques du garrot, c'est l'insuffisance rénale, c'est l'acidose lactique métabolique et l'hyperkaliémie. Votre manœuvre semble être efficace et le saignement commence à s'arrêter. Quelles sont les autres mesures à mettre en place en attendant le secours? Donc, protéger la victime contre le froid, réaliser une hyperextension de la tête, lui donner à manger, lui donner à boire. Je peux HGLM. Très bien. La hypertension, c'est quelqu'un qui est traumatisé. Ne pas lui donner ni à boire ni à manger. Donc, troisième cas clinique. Vous êtes en train de fêter votre brillante réussite à Pignanta ou un restaurant. Soudain, votre meilleur ami s'étouffe et tousse beaucoup. Il respire, mais sa respiration est brouillante. Quel est le premier geste à faire chez votre meilleur ami? Pratiquez des claques dans le dos, l'encourager à tousser, pratiquez la manœuvre d'English et le mettre en position latérale de sécurité. Education. De tousser, l'encourager à tousser. C'est parfait. As-tu dit que j'ai assimilé là si on dit à l'université? L'encourager à tousser, bien évidemment. Après quelques instants, la toux disparaît complètement. Donc, ma fracture coupe. Quand tu coupes zéro, je suis en fracture coupe. Allez-vous être complètement rassuré? Donc, si quand tu coupes zéro, je suis en fracture coupe. Un des qui comme chez chez Harry Cardiac ou la totale. Donc, on ne va pas être rassuré. Et camarade. Ah oui, c'est.
Quand tu as trop le cours. Ah, bien sûr. Donc, troisième capitaine, donc, toujours le même capitaine. Effectivement, votre meilleur ami est en train de présenter une obstruction totale des voies respiratoires. Les claques sur le dos étaient inefficaces et vous décidez alors de pratiquer une manœuvre des muscles. OK. Vous allez juger l'efficacité de votre manœuvre sur tous les éléments suivants, sauf expulsion du corps étranger, survenue d'une inconscience, reprise d'une respiration, apparition de tout. Et la 20e question, chez le nourrisson, la manœuvre des niches est remplacée par la manœuvre de Mofenson, Johnson, Erickson ou Clarkson. Le mot Adolfson, Babzinson. C'est un défi, un chauffeur. Il y a un chauffeur qui a gagné. Yeah. That's what Lala. Bravo. Ok, Hajan et Bill Orita Gaadoudez. Zien. Qu'est-ce que oui. Essaye de voir un 1000 points. Ça doit changer de limite pour ma déch. Yeah, on va quitter. Qu'est-ce que tu as? Allô, Salim, comment ça a été? Ça va? Ça va? Bon. Il y a des questions qui, ok, la question qui a sauté, mars 18, la question 18. Mm. Ça, j'ai une petite question. Oui. Tu as un débrief? Ah, oui, oui. Il n'y a pas de débrief, Yomar. Il n'y a pas de débrief. Avec le patient, il a la fracture de la cuisse avec un saignement. Est-ce qu'on ne devrait pas adopter en premier une compression distale? La même pratique d'appeler une nouvelle recommandation. Le fichier d'IEL qui est 2018, fille. Ah, chier, je suis le 2019. Il y a de l'âme. Il y a que ça, là. C'est la tâle, là. Exactement, un changement de l'âme par rapport à ça. Directement le corps. Non, moi, Hichem Bébzine, moi. Ah, vous êtes monsieur Hichem. Ah, oui, monsieur Hichem, vous êtes activé, Ahmed, les vidéos de quoi? Ah, activé, ça. Alors, très bien. J'ai quand même une bonne nouvelle. Il y a trois qui sont immunisés. Mm-hmm. Ah, parce que Salim, j'ai quatrième. Ah, Salim, j'ai joué la première session, madame. Je vais t'invalider les médias, là, Salim. Allez. J'ai les médias, le Wall Yomar. Alors, il y a trois qui ont dépassé Salim et qui sont immunisés jusqu'au ambassadeur. Ça fait? À votre avis, qui pense avoir fait bien? انا بعدا في الاول ما عرفتش بينا كون بديتو انا اخر واحد جاوب شي 20 سكوند يمكن نقول فوقاش هذا الشيء. الياس اكتيف لا فيديو. انا ما كنصد ما تنشوفك. فوالا الوغ سي اللي كيغاني بعدا لو كويز سي كي معاد سي هاجر. تبارك الله عليك Hajat, tu nous entends? Oui. Hajat, tu as gagné le quiz. Merci. Donc c'est bon, tu te tahi, très bien, tranquille. Ça fait? Super. Alors tu quittes la réunion. Ça fait, tu es goulé que ça. Quitte la réunion, complète. Ok.
كيت لاغين تنقولوا هاد شكون دوزيام معاد نبي نبيل برافو تو ايمونيزي فور لا بروشين ران كيت لاغين تو ايمونيزي سي بون نبيل نبيل مشى Et le troisième qui a gagné, qui a été immunisé, c'est Rita. Alors, les trois pangolins sont immunisés. La bouébinette, là. Oui, la mirabinette, là. La chauve-souris n'a pas trop brillé. C'est là, 1000 points. M'a dit, je te dis, n'y a pas de chouir. Justement, Znalik, 1000 points à Saad. Merci, la parole. Et tu n'as pas dépassé Salim, d'accord? Je ne sais pas que ça a bien fait à Salim. Alors, Hitmebin Salim ou Haja, il n'y a même pas. Salim? Salim? Alors, tu veux voir les autres quiz? Salim? Ok. Alors, tu peux rentrer, mais sans répondre, ça fait? Ok. Yalla. Et ben le prochain tour, le premier raid 12, ça fait? Juste le premier raid 12, le prochain tour, ça fait? Ça fait quand? Là, d'abord à zéro. Mais quel ami point là, ça fait? Ça fait, Salina. On a à zéro débat. Le premier raid 12, le troisième tour, ça fait? Yalla. Vous avez compris, Yalla? Oui. 15 questions. Alors, je vais ouvrir mon deuxième. Voilà. Une nature d'Abed, le deuxième, yak. Je connais quand même ma sorte de dialogue, Zef. Vous avez compris que ça va concerner des pathologies simples. Mais il faut être très fin. Et alors, notez le code. C'est Dame Kibel Nawel. Partage d'écran, tu bloques. Dame Kibel, je partage. Non, tu bloques. C'est vrai? Oui. Gavin? Je n'ai pas de Wolf chez Haja. Très bien. Donc, on a dit Njibla. Gavin, bien. Le parc est en cours. C'est pour le dessus de votre fenêtre. Attends, je vais arrêter le partage. Je vais vous dire que je suis en Les le code sur le groupe. Là, bien sûr, bien. Attrape. On va tout régler et un peu de patience. Je vais lancer mon PowerPoint. Je peux te dire, comme je vois, Asma, tu dis. Je pense Asma. Anna Radin, ouais. Anna Radin, des actions. La bataille, chauffe, oui. 66,57. Et alors, menti.com, 66,57. Ça fait, c'est là. Chine, elle a disparu, elle, il revient à la fin. Une seule personne qui va gagner. Une seule personne qui va passer au prochain tour. Et je garde avec moi, c'est Salim Cheychouf, Mouad et Hichem. Allez, c'est le palet. Asma, c'est le palet. Madame Bédaoulio, Mouad, tu es prêt? Oui,
ما بقى 8 هي هذيك لا 8 فوالا سي سي بون مشينا حيت كاين ثاني لا سي بون هي هذيك سميت حيت مشاو 3 دابا واحد داخل هو سالم هي 8 هي هذيك سي بون هما هي السبعه لي كونديدا بلوس سالم يلا معاد Donc, première question. Le diagnostic de l'arrêt cardiaque se porte sur tous les signes suivants, sauf la perte de la conscience, les gasps, l'absence du pouls jugulaire, l'absence de mouvement respiratoire. L'absence de pouls jugulaire. Oui, c'est un tout petit piège, parce qu'il n'y a pas de pouls jugulaire, c'est le pouls carotidien, en généralement chez l'adulte. Il faut savoir que les deux signes principaux, c'est la perte de conscience qui peut être précédée par des convulsions, ou l'absence de mouvement respiratoire avec l'équivalent de là, c'est les gasps. Deuxième question, toutes les situations suivantes nécessitent une réanimation cardio-pulmonaire avant l'alerte, sauf une, laquelle? ACR chez l'enfant, ACR de cause toxique, ACR sur embolie pulmonaire, ACR chez un noyé. Alors pour ceux qui nous regardent, il faut savoir que l'alerte est prioritaire, sauf dans quatre situations. Donc la noyade, l'arrêt cardiaque traumatique, l'arrêt cardiaque toxique et l'arrêt cardiaque chez l'enfant. Quatrième question, un seul des mécanismes d'efficacité du massage cardiaque est suivant et correct lequel? Mécanisme de la pompe pulmonaire, mécanisme de la pompe aortique, mécanisme de la pompe hémodynamique, mécanisme de la pompe thoracique. Alors, il faut savoir qu'il y a deux grands mécanismes pour l'efficacité du massage cardiaque externe. Il y a la pompe cardiaque, c'est-à-dire quand on comprime le cœur et ça éjecte, et la pompe thoracique, quand on relâche le thorax, pression négative qui se crée et aspiration de sang. Donc, concernant le massage cardiaque, il faut respecter tous ces principes, sauf fréquence 80 à 100 par minute, coude tendu en intermamelonnaire, profondeur 5 à 6 cm. Donc le massage cardiaque externe, il se fait avec les talons de la main, c'est-à-dire cette partie-là. On met talon sur le talon, en intermamelonnaire, coude tendu, les épaules perpendiculaires et on pousse jusqu'à 5 à 6 cm. La fréquence est entre 100 à 120. Deuxième question. La durée de chaque insufflation doit être de 1 demi-seconde, 1 seconde, 2 secondes. En fait, ça dépend du rythme du massage cardiaque externe. C'est 1 seconde normalement. Il ne faut pas souffler ni trop long ni trop court. C'est une seconde. Vous soufflez trop long, vous allez donner beaucoup de CO2. Vous soufflez trop court, vous allez donner peu d'oxygène. Huitième question, durant la réanimation cardio-pulmonaire de base, les insufflations peuvent être faites par tous ces éléments sauf bouche à bouche, pocket mask, interface faciale, intubation endotrachéale. Alors pour la RCP de base, comment on peut la faire? Le bouche à bouche, pocket mask, interface faciale, intubation. Bien évidemment, c'est l'intubation, il fait partie de la RCP spécialisée. Donc, neuvième question concernant la défibrillation automatisée externe. Elle détecte la systolie, elle détecte la CFA, elle détecte la fibrillation ventriculaire, elle détecte la tachycardie ventriculaire avec. Donc, la défibrillation, elle détecte les rythmes choquables. Dans ces réponses-là, c'est la fibrillation ventriculaire.
Très, très bien. Très bien. Donc, je pense que tout le monde a bien répondu. Dixième question concernant la défibrillation. Le défibrillateur semi-automatique, toutes les propositions suivantes sont correctes. Il délivre des ondes biphasiques. C'est l'opérateur qui délivre le choc. Il peut être réalisé même chez l'enfant. Il est autorisé même pour le grand public. Très bien. Dites-moi. Il ne faut pas utiliser la défibrillation automatisée externe dans l'une de ces situations. Laquelle? Patient porteur d'un pacemaker, patient porteur d'un patch de trinitril, patient porteur d'une chambre implantable, patient sur une surface métallique. Donc, il y a deux contre-indications, la surface métallique et la surface mouillée. Deuxième question, concernant les défibrillateurs mécaniques, toutes ces propositions sont vraies sauf une, laquelle? Il peut donner des ondes biphasiques, il permet de faire aussi une cardioversion, il ne peut pas synchroniser le choc, il ne peut être fait que par un médecin. Alors, contrairement au défibrillateur automatique, il y a des petites différences. Et bien évidemment, la mauvaise réponse était au contraire, il peut synchroniser. Quand on dit, par exemple, faire une cardioversion sur une TV, il faut appuyer sur le bouton synchroniser. Ça veut dire quoi? Que le choc va être vraiment délivré au moment du pic de l'onde de T. Et si vous vous rappelez, les derniers quiz, on avait dit que c'est vraiment la phase vulnérable. Donc, on appelle ça le choc synchronisé, ce qu'on ne peut pas faire avec un défibrillateur automatique. Treizième question concernant l'adrénaline. La dose est de 3 à 5 mg toutes les minutes. Elle est administrée d'emblée dans la fibrillation ventriculaire. Elle a un effet pro-arythmogène. Elle est contre-indiquée chez l'enfant. Ok, la proposition correcte. C'est belle qui c'est correct, c'est. Oui, elle a un effet pro-arythmogène. L'alcalinisation peut être indiquée dans toutes ces situations sauf une, laquelle? ACR sur intoxication aux antidépresseurs tricycliques, ACR sur hyperkaliémie, ACR sur acidose préexistante, ACR sur torsade de poing. Ils sont trois indications, donc c'est l'acidose préexistante, l'hypercaliémie et la torsade de pointe. La torsade de pointe, il faut donner au contraire du magnésium, contrairement aux autres trois situations qui sont là. Alors ça, c'est la dernière question, Matt. Donc, dernière question. Parmi les principes de la réponse à ACR, nous pouvons retenir tous ces éléments sauf traitement anticonvulsif, hypothermie thérapeutique, hypocapnie thérapeutique, stabilité immunitaire. Moi, j'ai quoi être pris de rien ou aller arrêter le partage, le merger. De justesse, 50 points. 50 points binatiens. Billo le tient. Je tiens, moi. Ah. On va les attendre. Allez, revenez. Revenez. Allez, revenez. Revenez. Vous savez que j'avais un point à FOC. Comment? J'avais combien de points à FOC? Comment qui a été qualifié ou ça? C'est vraiment que je n'ai pas les points.
Ce que je sais, c'est que. J'ai raté la question, les deux premières questions, quand tu as le téléphone. Et maintenant, je suis capable de proposition. Donc, tu as le PC. Ouais, Abdulbe. Il faut bien s'équiper. Alors, juste entre les deux premiers candidats, il n'y avait même pas 50 points. C'est trop serré. Mais on va prendre que le premier. Oh là, pas moi. Alors, Mouad, qui a gagné le deuxième round? Donc, c'est Amine. C'est qui? Bravo. Allez. Amine. Bravo. Amine. Amine, bravo. Merci. Très bien. Tu es immunisé. Très, très bien. Bye bye. Quitte la réunion. Cyril, tout à fait. Quitte la réunion. Bye bye. Alors, il y a 6 qui restent. Asma, attends, j'ai. Oui. Je suis là. Donc, on va passer au round 3. D'accord. Je vois okay. Déjà les visages qui se crispent. Khalidat Hamad. Koshim Khanzer. Alors, le round prochain, les deux premiers vont passer. Sur 12 questions. C'est rapide. Le round prochain, les deux premiers vont passer. Sur 12 questions. Ça fait? C'est bon? Ok. Oui. Je vais partager d'abord. C'est Alchani à 0. Alchani à 0, bien sûr. Koshi à 0. Vous avez vu, c'est des pathologies très très simples. Ouais. Écoute. Alors, le coup de la Kenya. 18-05-84. Et disparaissait. Allez, à tout à l'heure. Je rôde le code aussi. Donc, je garde avec moi Hichem et Maï. 18-05-84. C'est bon? C'est bon. Bien. Et elle a disparu. On a un déconnecteur, si tu me dis. On décide de laisser. Ça fait? Monsieur Hussein. Salim, tu peux rester avec nous ici. Salim? Oui. Tu peux rester avec nous, d'abord, je vais te faire sur mes choses. Comme ça, tu entends le débrief. Ça fait ok, ça marche. Tu restes avec nous. Ça marche. Yala. Ils sont 6 hier, Khrsna Chiwet. Oui, c'est. Oui. Moi, je suis connu Khas, c'est le message du groupe. Voilà, c'est bon, c'est bon. Donc, cette troisième oui. Question, vous avez sauté jusqu'à la fin. Il est. Vas-y. Première question, la dose de morphine administrée devant une douleur thoracique intense est de 0,05 à 0,1 microgramme par kilogramme, 0,5 à 1 microgramme par kilogramme, 5 à 10 microgrammes par kilogramme et 50 à 100 microgrammes par kilogramme. Alors, c'est exprès, non? Ils se sont tous trompés. C'est 50 à 100 microgrammes parce que normalement, c'est 0,05 à 0,1 mg par kilo. J'étais sûr qu'ils allaient tous glisser. Vous avez compris ce qui s'est passé? Moi, tu es un petit? Ah, c'est. Je donnais les microgrammes. Donc, avec la dose, il fallait la multiplier fois 1000. D'accord, ok, ils me donnent dire ça. J'étais sûr qu'ils allaient. Ouais. Yeah.
Donc, un patient avec un AMP sur douleur thoracique est classé KILIP 4, KILIP 3, KILIP 2, KILIP 1. Alors, Salim, il faut savoir que dans le cas de la classification de l'insuffisance ventriculaire gauche, il y a 4 stades. Le KILIP 1, il n'y a pas d'insuffisance ventriculaire gauche, KILIP 2, SIBOAP, KILIP 3, OAP, et KILIP 4, c'est le choc cardiogénique. Non, le KILIP 4, c'est carrément le choc. Je rappelle aux gens qui nous regardent. Okay. KILIP 1, il n'y a pas d'insuffisance ventriculaire gauche. KILIP 2, c'est un SIBOAP. KILIP 3, c'est l'OAP. Et KILIP 4, c'est le choc cardiogénique. Ah, déjà beaucoup de lettres, c'est trop tard. De toute façon, tu as fait au moins, je vous dis. Vas-y, Mike. Donc, quel est le délai maximal de la réalisation de l'ECG qualifiant? 2 minutes, 5 minutes, 7 minutes ou 10 minutes? Quand on a un ECG à faire après un contact médical, il faut rapidement faire l'ECG. Quel est le délai maximal? C'est justement 10 minutes. L'ECG qualifiant, c'est quoi? C'est le premier ECG fait après un contact médical. Donc, on examine rapidement le malade, on le conditionne. Je fais ramener rapidement mon défibrillateur à côté au cas où ça dégénère. Et il ne faut pas perdre beaucoup de temps, au maximum 10 minutes, quand on compte déjà d'être le CGD. Donc, cinquième question. Les critères d'insuffisance décalage ST significatif sont tous les suivants, sauf ce décalage de plus, de plus ou de dérivation, en T de par D, image en miroir inconstante, sus décalage persistant. Alors, tout le monde, ça fait des années que je vous enseigne l'astuce iPad. Donc, pour dire qu'un sus décalage est en rapport avec un syndrome coronaire aigu, il faut qu'il y ait quelques critères de significativité. Les 4 critères répondent à l'astuce iPad, IPAD. Donc, ici, image inconstante en miroir, c'est-à-dire... dans un territoire, vous avez le sud-décalage, dans l'autre, il y a le sud-décalage. Il y a le P, c'est-à-dire un sud-décalage persistant. Il y a le A, l'amplitude doit être élevée. Il y a le D, au-delà de 2 dérivations. Salim, tu comprends un peu, ça va? Dis-moi. Salim, tu captes? Oui, oui. Ça va? Bien, encore. Oui. Ça va, oui, un peu. Donc, sixième question. Tous les signes électriques suivants peuvent être en rapport avec un syndrome coronarien aigu non ST+, sauf un, lequel? Le rabotage de R, l'onde T négative, l'onde T pointue, sous décalage ST. C'est clair. Il y a 5 aspects qu'on peut voir dans le non ST+. Vous avez le sous décalage. Vous avez l'onde T pointue, vous avez l'onde T négative, vous avez le sous-décalage qui n'est pas persistant, et parfois même, on peut avoir un ECG normal. Donc, septième question, pas de cathé disponible et vous décidez une thrombolyse, il faut la réaliser rapidement avant la 10e minute, la 15e minute, la 30e minute ou la 60e minute. Alors, vous avez un syndrome ST+, sous le cathéter Gallicum-Kench. Il faut la réaliser rapidement, mais c'était avant la 10e minute. C'est-à-dire, une fois que vous prenez la décision de la thrombolyse, il ne faut pas perdre de temps. Mais le bout, qu'on a fait ce que je vais dire. Je vais mettre le cathéter. C'est un goal. Je vais dire cathéter. Je vais mettre le cathéter avant 2 heures. Si ce n'est pas le cas, sur place, décidez de faire la thrombolyse moins de 10 minutes. Et ça, c'est une nouvelle recommandation. C'est, bon, nouvelle, il date déjà du mois d'octobre 2017. Huitième question, les situations suivantes sont des contre-indications absolues à la thrombolyse, sauf une, laquelle? Hémorragie digestive, AVC hémorragique ancien, AVC ischémique ancien, dissection de l'aorte. Alors, parmi ces 4 contre-indications, il y a une qui est vraiment une contre-indication absolue. C'est l'AVC ischémique ancien, justement. Quand il est ancien, on peut toujours thromboliser. Par contre, un antécédent d'AVC hémorragique, ça complique la chose et ça contre-indique la thrombolyse chez notre patient. Neuvième question, le traitement adjuvant
dans la phase aiguë à la thrombolyse. À la thrombolyse peut comporter tous ces éléments sauf la statine, la trinitrine, l'acide acétylsalicylé et nos appareils. Très bien, vous savez très bien l'astuce « The Acute Coronary Syndrome », « The ACS », « The Acute Coronary Syndrome ». Le T, c'est pour parler de la trinitrine. Le HE, c'est pour parler de l'héparine. Le A, pour parler de l'acide acétylsalicylé. Le C, pour parler du clopidogrel. Et le S, on rajoute le S pour soulager la douleur. La statine, oui, mais pas la phase aiguë, juste après. Dixième question, nous pouvons utiliser le clopidogrel autant que... Il y a des médicaments qui se... Voilà. Vas-y, Matt. Donc, keflogrel, statigrel, enoxagrel, prasugrel. Il y a des médicaments qui ressemblent de leur activité à clopidogrel. Il y a deux autres. Il y a le prasugrel, il y a aussi le ticagrel. D'accord. Donc, je vois que il n'y a ni statigrel, ni enoxagrel, ni keflogrel. C'est vraiment de la pure imagination. Il n'y a carrément pas ces médicaments. Il faut savoir que clopidogrel, prasugrel et ticagrelor, ce sont des médicaments qu'on doit obligatoirement prendre par voie orale. C'est leur biométabolisme actif après passage dans le foie qui est actif finalement. Maintenant, dans le marché européen, il y a une forme injectable du ticagrelor. Ça s'appelle le congrelor. Et on le donne chez un patient qui vomit beaucoup. Parce que donner ces médicaments chez quelqu'un qui vomit beaucoup, ça réduit leur efficacité. Avant-dernière question. Donc, les signes suivants sont tous des critères de réussite de la thrombolyse, sauf un de quels. Régression de la douleur, apparition d'un bloc de branche gauche transitoire, apparition d'un rive, régression du sus des carences. Alors, quand on thrombolyse, il faut guetter les surveillances, voilà. Alors, le RIVA, c'est le rythme idioventriculaire accéléré. Au contraire, c'est un très, très bon signe de réussite de la thrombolyse. Par contre, BBG, c'est du n'importe quoi. Dernière question, Mouad. Mouad. Donc, dernière question. Parmi les complications aiguës du syndrome coronarien aigu ST+, nous pouvons retrouver toutes les suivantes, sauf une laquelle. Choc cardiogénique, trouble du rythme ventriculaire, anévrisme de la paroi ventricule gauche, rupture de cordage valvulaire. Alors, l'anébrisme, c'est une complication, mais qui peut arriver soit à la phase subaiguë, soit à la phase chronique. Donc, on va rapidement, moi, tu vas en hypso. La salmonelle, laisse-le un peu. Salmon, et qui d'autre m'en a? Allez, les deux qui sont sauvés, c'est Saad et Ahmed. Saad et Ahmed, soufflez. Vous êtes sauvés. Allez, quittez la rime. Bon courage, les amis. Il y a Ismaël ou Ilyas. Allez. Alors, il reste Ilyas, Asma, Ismaël et Khalid. Pour le prochain tour, il y aura deux sauvés. C'est 8 questions. Pour le prochain 8 questions. Tour, 8 questions. Allez, t'en. Pour le prochain tour, il y aura deux sauvés. Et ça commence à devenir sérieux. Ça fait, on garde le moral, ça fait. Et alors, on va partir pour le round 4. Ça marche. Allez, round 4. Allez, notez le code. 55.
C'est bon, notre télécode est disparu. Je regarde avec moi Salim, Hisham et Mouad, bien sûr. On va parler de deux pathologies. اسمع سيري في حالتك ما كان معاد شي كوفيد ولا شنو نعم استاذ شي كوفيد هشام تي نبات كاف اوكي يلا اسمع سيري في حالتك اون دو كومونسي اسمع tu es là oui prends le code aussi في حالتك On t'attend de l'autre côté. Yeah. Mouad, c'est bon? Oui, c'est bon. Je vais te dire que je vais te dire. Je vais te dire que je vais te dire. Sur 5 questions. Mouad, voilà, c'est bon. Yeah. Bismillah. ماشي مشكل حنا هادو كضربا هما اللي مهمين دونك première question tous les signes suivants sont des signes d'alarme d'une crise d'asthme sauf un lequel trouble de conscience sibilant au sommet gaz collapsus alors je rappelle aux gens qui nous regardent que les signes d'alarme ils sont plus graves que les signes de gravité ils sont quatre les troubles de conscience les gaz le collapsus et le silence auscultatoire au contraire le fait d'entendre des sibilants c'est pas mal aux urgences Très bien. Donc, ils ont tous répondu. Donc, deuxième question. Les médicaments suivants peuvent tous être considérés comme bronchodilatateurs sont l'adrénaline, la terbutaline, sulfate de magnésium, l'étomidate. Très bien. L'étomidate, c'est une drogue anesthésique. Troisième question. Nous pouvons demander tous ces examens par clinique sauf NFS plaquettes, CRP, magnésémie, gaz du sang. OK. C'est le magnésium. Très, très bien. Quatrième question. Pour ventiler artificiellement un asthmatique, respectant les principes suivants sont volume courant 6 à 8 ml par kilogramme, fréquence respiratoire 8 à 10 minutes, 3 de paix, inspiration sur expiration 1 sur 1. Au contraire, il faut mettre un I sur E de 1 sur 3, ça veut dire prolonger le temps expiratoire. Bien évidemment, il ne faut pas mettre de PEP pour ne pas aggraver l'auto-PEP car déjà le patient et éviter les barotraumatismes. Acidocétose diabétique. La définition de l'acidocétose diabétique comporte cétonémie positive, cétonurie positive, acidose respiratoire, hyperglycémie. Alors, l'acidose, elle est métabolique et n'est pas respiratoire, bien évidemment. Il y a d'autres critères. La question. Au cours de l'acidocétose diabétique, le trop anionique est conservé. Vrai ou faux? Le trop anionique, il
caractérise la différence entre les cations et les anions. Il correspond aux anions indosables, comme les phosphates, comme les protides, comme les phosphores, mais aussi comme les acides. Donc, le fait d'être en production d'acétone, d'acide, va augmenter le trop anionique. Donc, nous avons un trop anionique qui est élevé. Donc, c'est faux. L'avant-dernière question. Donc, la cinquième question, la dose d'insuline horaire administrée est de? Alors, 0,06 unité internationale par kilogramme, 0,6 unité internationale par kilogramme, 6 unités internationales par kilogramme. Alors, je vous rappelle que la dose d'insuline est de 0,1 unité par kilo par heure. Donc, il fallait prendre le 0,1 et le multiplier par 60. Voilà. Parce qu'on a besoin d'une. Au cours de l'acidocétose diabétique, la kaliémie est souvent basse pour toutes ces raisons, sauf une, laquelle? Alors, vous savez très bien qu'on vous dit toujours parmi les volets thérapeutiques, il faut réhydrater. Il faut donner de l'insuline, il faut corriger le potassium. Donc, il faut donner du potassium d'emblée, à condition juste de vérifier est-ce que le patient pisse. Pourquoi le potassium est bas chez les acidocétoses diabétiques? Donc, sauf, alors, en fait, les vomissements, en fait, ils ne font pas perdre du potassium. C'est à cause de l'hypovolémie qu'ils vont engendrer, donc ils vont entraîner un hyperaldosténisme secondaire qui va lui faire absorber le sodium et éliminer le potassium. Il faut savoir aussi que l'insuline, l'insuline, il aggrave l'hypokaliémie parce que l'insuline, il fait rentrer le potassium à l'intérieur de la cellule. C'était la dernière question, Mouad. D'accord. Donc, deux. Je crois que tu as quoi? Je suis un qui a eu un nom. تاكو وقيله هي اسماء هادي اللي خرج دخلت ايلياس بون تاكو ايلياس اون فيغا اوف ناري استاذ الزهر اما سات لو مالو ستريس تريف با غير لا كاستيون جو تو جور راه ما يمكنش ايوا عرفت شي حوايج في شكل شوف سي دي كي سي دي بروجي تري سامبل ياك وي متفق معاك جي ريبوندو او تيم Ouais. Ma kdebtch. Chkon koulhom des pathologies sains, c'est d'ailleurs ces pathologies que vous allez retrouver très souvent dans votre pratique inchallah les gardiens du compte. Finaya Asma. A chkon kan dakhel ba'da c'est chkon Sébastien fait comme ça واحد. Asma, Asma. Oui. Ou tu m'ouvres le hamburger, le shawarma? Ah, tacos. En hache. Tacos. Alors, Asma, tu as gagné ce quiz. Bravo. Asma, tu as gagné le quiz. Bravo. Ah, merci. Tu as dit que tu as la connexion. Et en deuxième position, Ilyes. Bravo. Donc, Khalid. Khalid, Inch'Allah. Khalid, Khalid. Ça va se jouer entre deux. Khalid, 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 Khalid. خالد بوا تاعك خسر اسمعي بون كوراج والله ما تحلفش ما تحلفش يلا اسمع تشيكيت لا غينيون وي alors ça va se jouer entre deux grands vétérans des ateliers de la simulation de vraiment alors, pour moi c'était inattendu c'est la contre finale pour moi mais équité زعما بيناتنا الله كما تنقول لكم دائما bien sûr Donc, on va perdre quelqu'un de gros calibre tout de suite. Mais. Donc, vous avez un dernier round, d'accord, sur 5 questions. Il faut faire vite. Parfait. Ok. C'est une pathologie que vous connaissez trop, trop bien. C'est bon, Chino? Chino. À la barakatillah. Et je sais que vous connaissez cette pathologie trop trop bien. Ça fait 6, 0, 5. Alors mettez le code et disparaissez tous les deux.
Bon courage, Khalid. Merci, merci, Ismaël. حسين الويد من ذكر قرعة نحن استدرى ما زال ما كتبت ما زال ما عافش قطع ما عافش ما تعافش عليش عافش يعني الشيخ جوان دان نطخ كويت مع دير سادة دو بروبلم دي كوريكسيون قبايا عافش يعني نبا انكور اوفر فوي اتند دونك دخلتي سينا استدرى ما زال دابا نكتب الكود اكتب الكود ما كان حتى مشكل ما تابعنا والو راني اون كونفينمون بون يلا ديسبار بسم الله يلا كيت خاصنا المتين بدات تتبانوا ليا بجوج دونك يا بات زعما alors les garçons vous êtes avec moi et on va commencer tout de suite نشوفوا موش جاوب بجوج بعدا سي بون ils sont les deux c'est bon معاد بنا oui c'est ça Vas-y, moi. Première question, les critères de gravité de vitesse comportent tous ces éléments sauf chute d'un lieu élevé, désaturation, remplissage vasculaire préhospitalier, âge moins d'un. Mais la question de la désaturation qu'est-ce que le remplissage qu'est-ce que le remplissage je suis sûr qu'on a parlé de la question dans un contexte calme et je vois les ils savent très bien éléphant deuxième question devant un choc hémorragique traumatique sans atteinte cérébrale l'objectif tensionnel est de une pression artérielle moyenne de 65 une pression artérielle moyenne de 85 pression artérielle moyenne de 90, pression artérielle moyenne de 120. Donc, bien évidemment, c'est 65 mm de mercure. La formule transfusionnelle des culoglobulaires est la suivante. L'HB initial moins l'HB réel fois 0,6 fois le poids, l'HB initial moins l'HB réel fois 0,3 fois le poids, l'HB initial moins l'HB réel moins 6 fois le poids, ou poids 3. Je me réponds, mais ce n'est pas possible. Mais il y a la ils ont répondu la même mauvaise réponse. Voilà ce qu'on... Oui. Ils ont répondu la même mauvaise réponse. Ça a fait le stress, c'est fois 3. Et on divise le tout par 250 parce que la quantité coulant en millilitres. L'acide tranexamique, son nom commercial Plavix, c'est un antifibrinolytique. La dose initiale est 2 grammes. On ne peut pas répéter les doses. C'est un antifibrinolytique, c'est vrai. La dose initiale, c'est 1 gramme. Au contraire, on peut répéter les doses et on peut donner 1 gramme fois 3. Alors, la toute dernière question de la contre-immunité. Donc, le triangle de la mort comporte tous ces éléments sauf. D'ailleurs, c'est le mot à dire. CIRS, coagulopathie, hypothermie, acidose. Très serré. Celui qui a répondu à la question de l'acide tranexamique doit être. Il aurait dit un chauffe-eau d'abord, c'est bon. Ah, il y a un chauffeau, Khalid, Fakir Khalid qui est sauvé. C'est Khalid, oui. Eh bien, une bonne surprise à Delio. Très bien. Allez, rappelez tout le monde, allez. Allez, rappelez tout le monde. Rappelez tout le monde sur votre groupe. Rappelez tout le monde, allez. Rappelez tout le monde sur votre groupe WhatsApp. Moi, Ad Goulou Mijou, Ad. Je suis en train d'envoyer un message. Moi, Ad, je ne sais pas. Ça tremble beaucoup. Je ne sais pas. Ah, c'est elle, c'est elle. Mais le Moi, Ad, c'est elle. Ça, c'est le présentateur. Je ne sais pas.
مال علاش كرهتي انا ما عندي ما الاستاذ ما كنبغيش ديما جو جو غاد ديما جو غاد يو هذا تبعي جو غاد لي بروبوزيسيون عطيتي واحد لا كيسيون عطيتي واحد ضحكتوني في واحد لا كيسيون vous avez répondu la même mauvaise réponse هذيك ديال لا ترانسفوزيون 0.03 انا كنت سير عارفش انا حافظ زربا انا حافظ جوج كوم جو سي حافظينها وكي باش عطيتي وحده بعدا نسير قبل هذيك ديال لا دوز دو مورفين كلشي مشى فيها راه جيني ميكرو وي استاذ اخي عندي استاذ زربا راه انا اون ريانيماسيون il faut être rapide et juste juste et rapide ça fait et calme اكبر اوكي من هذاك الاستاذ ديال خصني نطلق لا كليما استاذ انا خصني نطلق استاذ ديغري Alors, est-ce que tout le monde est là? Ouais. Alors, la mauvaise finale, elle a eu lieu entre Khalid et Smaïl. C'est pas la bonne finale, la mauvaise finale. Oui. Ouais, film, il va nous quitter tout de suite même, au bout du 7e épisode. Et c'est malheureusement, malheureusement, c'est Ismaël qui va nous quitter. Yes. Khalid, tu as gagné la dernière fille. Je ne veux pas être heureux. Oui, mais tu n'as pas de quoi être fier. Mais bon, c'est obligé. Alors, Ismaël. C'est sûr. Ça. Yes. Ismaël. Oui. Alors, tu sais trop bien tout le bien que je pense de toi. Depuis qu'on Merci, Ismaël, également. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Moi, je m'attendais vraiment que tu ailles loin, quand même, sincèrement. Peut-être sous pression, ça ne réussit jamais, Sarah. Il faut savoir que dans la vie, parfois, on est... Parfois, surtout là, quand il y a de l'arrière, c'est comme ça. Il faut vraiment prendre la bonne décision en bon moment. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Comment ça a été à l'histoire? Allez, vas-y. D'abord, je vous remercie pour l'initiative, parce que vraiment, c'était incroyable. Je m'en ai pris autant de neuf... Le délai est vraiment très court. Et vraiment, je sais que ce n'était pas fait exprès, mais je vous remercie pour l'équipe avec laquelle vous m'avez mise. C'est déjà incroyable. J'ai rencontré des personnes formidables. C'était une famille. Ce n'était pas une équipe d'un jeu ou la chiage. Non, là, bien sûr. Si tu me dis, là, tu as les premières saisons, tu es au Sahab. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Déjà, merci beaucoup parce que tu as l'image en 19. Et ensuite, bon courage pour la suite. Merci à toi, frère. On va pour la suite. Tu vas nous quitter. C'est éliminé au même sens que toi. Smaïl, oui. Tu vas nous quitter. D'accord. Oui, ça marche. Alors, chauffe, Reda, on fera un live Instagram. Ça fait Inch'Allah. Yeah, bye bye. Inch'Allah. Bravo, Smaïl. Bravo. Merci. Bravo, Smaïl. Bravo, Smaïl. السعد السعد خصك دير لنا شي ابروف نجيبو شي واحد تقصى والله السعد ابروف ديال الريزوركسيون ولا شي حاجه ريزوركسيون اكيد ديت في بلانطا دو السعد هذاك ما كنت تي بوسيبل علاش لا دير لنا السعد ان شاء الله لا لا حسن دير لنا السعد فوق ماش بغيتي غير ديرها السعد والله بغينا نجيبو اسماعيل ما يمكنش يلا دابا عرفتي شنو je vais vous séparer en deux groupes yeah? parce que دابا c'est l'épreuve des ambassadeurs la pire épreuve de toute l'émission هي alors écoutez Hajar et Saad écoutez Hajar dans votre équipe vous allez choisir qui va être ambassadeur dans l'autre équipe hein, c'est pas comme débat en deux sables et vice versa okay. Donc les deux ambassadeurs, une fois désignés, ils doivent se mettre d'accord sur un nom à éliminer. Libre, blamant nakhshman. Non, là, il n'y a pas de raison. Tu fais un mot, Wadek, mais tu fais un mot, je suis un reiter. Vous avez compris? Oui. Vous avez compris, oui. Hein? Oui. Oui. Alors, oui. J'attends un mot de l'invité. Quelqu'un qui aime beaucoup les ambassadeurs. Vous le connaissez? Oui. Oui, bon. Oui.
C'est lui qui aime vraiment le Zambassa. Elle est là. Wahib, bonsoir. Bonsoir. Il y a deux fois l'audio, le vidéo en chauffeur. Là, je suis là. En chauffeur. On le voit. Donc, Anneli a un peu moqué. C'est bon. Ça va, Wahib? Voilà, là, je te vois. Comment allez-vous? Ça va? Alors, si j'ai fait appel. À... D'abord, déjà, Bada, ça me fait plaisir de te revoir. Déjà. Merci beaucoup. Wahib, allez, on est au stade de. On va les séparer d'abord en groupe. Ils n'ont pas encore décidé quel ambassadeur dans chaque équipe, d'accord? D'accord. Alors, déjà, à ce stade-là, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Est-ce que ça m'est retardé comme ambassadeur des conseils? Le diable. Déjà, je vous félicite, tout le monde. Et vous sentez déjà l'épreuve de les ambassadeurs. Bravo. Anna, personnellement, j'en ai consulté l'épreuve des ambassadeurs et j'avais pensé à mon équipe. Et du coup, voilà. Donc, du coup, le tirage au sort et j'ai été éliminé. Je ne sais pas si vous avez regardé la saison 1. Ok, c'est l'autre équipe qui vous a choisi comme ambassadeur. C'est ça, oui. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, Debe Wahib, avant de commencer une négociation, on va d'abord les séparer en groupe, ça fait? Alors, Saad, rappelle-moi où il y a ton équipe. Alors, Ilyes, Amina et Ahmed. Une seconde. Ilyes. Et je vais ramener avec moi Mouad, Hicham Berzin et Wahib pour regarder ce qui se passe. C'est bon. Je vais prendre aussi là, Salim avec nous pour qu'il puisse. Donc, Radim, d'abord l'équipe, il y a les chauves-souris et. Je reviens au Pangola. Alors, le Pangola, commencez déjà à penser quel ambassadeur vous voulez choisir de l'autre côté. Moi, les salles, elles s'ouvrent. J'ai faim. Alors, vas-y, oui, c'est les. On t'attend. Je. Même à Khazet. Ah, t'es bête. J'ai pas de message. T'es bête. Il n'y a qu'un message d'abord? Toujours pas. On a dit que nous avons 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 dit. Chauve-souris, d'accord. Écoutez, merci. Vous avez 2 minutes maximum. Et quand je vais revenir, vous me dites quel ambassadeur vous voulez de l'autre côté. Ça fait, je vais vous laisser, d'accord. Alors, commencez votre négociation. Allez. Quel ambassadeur vous voulez de l'autre côté? Allez, non, on se retire. Il n'y a que vous quatre. Allez. Déjà une personne. Ça fait, c'est désigné? Ah oui, on a déjà une personne. Vous avez pensé à qui déjà? Khalid. Ça fait, c'est désigné? Ouais. Sur quel critère? Allez, Khalid Bdab. Amine, allez, Khalid Bdab. Je vais te faire très loin dans ce livre. Tu m'as fait extraire mon compte, donc c'est. Alors, je crois que c'est Amina. Il a fait éliminer Ismail. On n'est pas content. Ismail s'est fait éliminer au hasard. Tu vois, je m'en demande. Là, c'est de là. Là, c'est le chat. Khalid, où est le sabab? Khalid, où est le sabab? Mais c'est un humain qui est très. Ahmed, pourquoi Khalid? Quand tu élimines Ismail, c'est parmi les meilleures personnes les canons. Depuis que l'on t'a là. La transparence. Ou Khalid, ça va faire un an. Alors, il y a ce même. Il y a ce.
Ilyes. Amosan. Alash Khalid. Est-ce que dans les négociations tout est permis? Tout est permis. Il est bien. Ça Ilyes, Alash Khalid. Ilyes. Tu as cliqué oui, كتسمعني صاحبي. Oui, Ilyes, vas-y. واه خالد باسكو راه على بدا خصو يخسر خصو يطير باسكو حشومه هو يخسرنا صاحبنا هو واحد الدري معنا هنا دوزيام اني مخسرين صاحبنا ويكملوا معنا لافونشور ايزون با دووا استاد سليم انا زعما دو باز هاد لو ميك سليم ما خصش يبقى معنا في زوما استاد صافي دوز معنا ليز يمشي سليم شوم يعني في هذا خصك لي دي بالي دونك سي بون ديسيزيون فيني ياك بلا ما نرجع عندكم C'est Khalid, c'est bon? Khalid. Il y en a tout à l'heure. Donc, je vais prendre avec moi Mouad et Salim et HPH. Ça, mais c'est bon. Je ne sais pas. La classe est similaire. Alors, Hajar, oui. Oui. Alors, quel ambassadeur vous avez choisi? Je pense à la lettre A. A-H. Les années. Allez-y, négociez devant nous. Allez, les gens, ils ont envie. De... Les autres, ils ont déjà choisi. Les autres, ils ont déjà choisi une personne parmi vous. Alors, vous, vous choisissez quoi? Qui? Alors, vous pensez à qui? افصل الحمد لله تخموش مزيان انا راه باين على شكون الاصفر لا شوف امينه ولا احمد يلا جيكم جو جيزيت انتر سعد والياس باسكو سعد الي تري فور احمد ولا امين اختار احمد غيتها احمد ولا هاجر احمد امين فون بابو Ah, شوف انا سي جو بو نختار احمد شوف سي جو بو كونساي نديرو تيراج سمعوا استاذ سمعوا استاذ وي حيت دابا في لا ريونيفيكاسيون راه شاكان بور سوا ما بقاش ليكيب اها واخا هذاك واخا هذاك لا سيزون اللي دازت راه في التالي بقاو هي لي فرومبواز بيناتهم حيت اوبينال كيكونوا حيت وصلوا حيت وصلوا بزاف لكن من بعد ما تعقلوش على بعضياتهم Vous avez fait le vote final. Il y a même des fonds de vote qui ont voté contre moi. Ça n'a rien à voir. À la finale, il y a 4 contre 4. Il y a quand même plus de fonds de vote. Ahmed ou Amin? Je propose Ilyas. Ahmed ou Amin ou Ilyas? Ahmed. Je vais voter. Oui, Ahmed. Qu'est-ce que احمد امينه قلت الياس الياس مي انا فهمتي انا ما قلتها غير هكا زعما ما عنديش دي احمد راه اللي بغيته راه هو اللي خصو يزول دابا دونك نديرو احمد باسكو انا فريمون ما كنعرفهمش ما عنديش لي زيدي احمد انا احمد انا دونك ندير احمد انا اختار احمد تاع انا نبيل صافي نديرو احمد سير نمشيو مع الماجوريتي احمد احمد ولا امينه ولا الياس شوزي Ahmed. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Ah, mais Ilyas. C'est comme vous voulez. Ahmed. Il y a un peu qu'Ilyas va dire voter à nos frères. Il peut. Je sais que j'ai bien là, il peut. C'est un pressentiment. Parfois, vraiment, on n'a pas de logique. C'est un pressentiment. Il dit, pour moi, il peut voter contre Chiwah. C'est pas, je ne le connais pas plus que ça. Il est froid. Il est tellement froid que Marie Tachi. Alors, au bout de 10 secondes, atteignez la décision finale. On doit avancer. Allez.
Je pense que la plupart ont dit Ahmed. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Je pense que c'est Ahmed. Ahmed, c'est bon? Ahmed? Oui. Ok, alors on va fermer les salles. Alors, je vous dis, je vous annonce les deux ambassadeurs. Je vous annonce les deux ambassadeurs. Alors, les chauves-souris, ils ont choisi Khalid comme ambassadeur du côté des pangolins. Et les pangolins ont choisi Ahmed du côté de la chauve-souris. D'accord? Oh. Donc, je demande à tout le monde de quitter Tangoli Contagion, sauf Ahmed et Khalid. Tout le monde doit quitter. Allez, les candidats. Salim, Hichem, Ouad, vous restez. Tout le monde doit quitter. Fais la Khalid. Nabil, Rebel. Alors, écoute, pendant cette négociation, les trois qui vont pouvoir parler, les autres se taisent. Khalid, Ahmed. Alors, je vous propose quand même de prendre l'avis de Wahib, parce qu'il a déjà passé à l'épreuve, a dit. Allez-y. Et on vous écoute, vous pouvez parler pendant 5 minutes. Allez-y. Gouna Wahib, ton avis, Bada, ou Adnan, Trahna. Voilà tout ce que je peux vous dire. Moi, je pense que tu peux être la saison unique. Exactement. Donc, j'ai voulu sauver mon équipe. Donc, du coup, le tirage au sort, j'ai été éliminé. Donc, c'est une petite erreur. Donc, tu as regretté. En partie. D'accord. En partie. Donc, je ne vais pas faire la même erreur. D'accord. Khalid, non, je suis capable. C'est le diable qui vous parle d'abord, c'est Wahib. Ah, bhal. Balk. Ahmed. Ah. Chou. On va voir avec la situation qui va se faire. C'est rare. Il a dit, on va voir la situation. Certes, on a dit, d'abord, actuellement, d'abord, on a dit. Bien. On a dit l'étape. C'est bon? Donc, je les options qui nous ont. إما واحد فينا غادي يمشي. أيه واحد. حالة ما تفهمناش. أها. فينا غادي يمشي. كاين اللي يستناكم تقادوا. ومن بعد غادي يولي التصويت ديما غيكون قد قد، الفوت ديما غيكون قد قد. وأنت عارف فينا غيكون مايل لجهتك، أنت وسع. غيكون مايل لجهتك، إلا مشيت أنا غيميلوا عليك بزاف ديال لي فوت. أها. ديالي كوساسوا في ليكيب ديالك، تي ساس. أنت عارف ماشي مزيان. Donc tu es fort probable de chiffrer tout le chien. Il a même chiffré comme une salle, tu vas chiffrer directement moi. Ah, on est dans la même situation, moi et toi, c'est Khalid. C'est Arfad Khalid. Il a blagué. Il a dit يلا كيسك تو بروبوز من الاخر كيسك تو بروبوز من الاخر انا جو بروبوز واحد بيرسون في ليكيب ديالكم كان بزاف الفوت عليها في شاك ايبيزود اللي هي الياس ما غاديش ندير عمرنا فوتنا على الياس كانوا في ليبيزود اللي قبلنا هذيك بينا يمشي كانوا هذاك لا فوت على راسه هذاك الياس ما عمر شي واحد فوت عليه دو شوف سمع الياس ما عمر فوت عليه شي واحد حنا عمرنا فوتنا على الياس حنا نعتبروا بانه هو فوت على راسه شوف خالد انت باغي تكمل ولا ما بغيتش تكمل باغي تكمل شوف ما باغيش تمشي شحال بكم خمسه احنا بين اربعه باينه لا لوجيك ديال الشوز الا كنتي ما باغيش تمشي غنخدموا بلا لوجيك الا كنتي باغي تريسكي تمشي غنديروا بلا فاس دابا وصافي وسالينا بلا ما نتعطلوا بزاف الهضره
انا ماشي ما بغيتش نمشي شوف اربعه بفوا صاحبي في الغينيفيكاسيون راه صاحبي سي هيستوريك اف ام بي اف صاحبي راه مهم ما باش نقول انا ماشي انا ماشي ما بغيتش نمشي اليوم ومن بعد نمشي لا غدا ما تخافش ما تخافش لا ابري لها مدبر حكيم اخي قلت من بعد غيكون غير لي فوت صافي راه لي شوز باينين شكون غادي تفوطاو عليهم بزاف لي فوت انا الى بقيت غادي اسمح لي تنتوما شوف تنتوما عندكم واحد تفوط عليه وخصو يمشي يعطيني شكون هو عندك اسمع ولا غيتا المهم غيتا غطير سوا سور غيتا غطير سور ولكن انا ما بغيتش نطير غيتا باسكو بغيت نكون اربعه اف ام بي اف ريونيفيكاسيون صاحبي راه غير هاد غير سكرين شوت ديال داك التصاور ديالنا اربعه في ريونيفيكاسيون بارك عليا نتاليمينا من بعد سي با غراف غنبقى شاك فوا ندخل في لي كومونتير نقول لهم اربعه اف ام بي اف ريونيفيكاسيون من ديرها شي فاك وحده اخرى اجيو هضروا معايا واخا ما نربحش لا فينال سي با غراف Ça c'est l'explosion que je veux faire avec le plus grand. Je suis là. ياكلك داخ خالد شي واهب هو جراو هو دار داك التيغاج والصغ هو ندم ويلي تي تري بون يل بوفي غاني فانت خالد تو بو غاني لا فينال اسمع دايوغ فنو تخي احمد جو جو كونفيرم ان تروك واهب ايتي فريمون ان فافوري او طرف انا كنت عندي كنت في بيغلون تاع سيزون اون كنت كانوا جوج كيسيب لي الله هما اللي كانوا يربحوا سي سوا معاد سوا واهب من الاخر وانا دابا تبان لي انت بعدا في لي بون نقول لك كتجيني قد تمشي بعيد انا الا مشيتي درنا بيلو فاصا انا ميبقى خرجتي انت عارف بان انت صاحبي ما غاديش يبقى عاجبني الحال انا بغيت تبقى معايا ايوا انا نبغيك تبقى معايا وراه الحل بين يديك اخويا انت بيكون شوف بين بيكم 5 انا نقول لك شوف علاش غدير نتوما بيكم 5 وانا نعطيك واحد الافونتاج علينا اليمين اللي عجبك في ليكيب ديالك ما نقولكش شكون تيليمين انت اليمين اللي عجبك اللي رشق لك اللي بغيتي وغادير لنا 4-4 وفير بلاي فير بلاي سينو نخلع عليها بيلو فاس اي ترونكيل جو رجوا مون بوت اسماعيل كو جيم بوكو صافي هاني يبان لك ميسي قبل وي استاذ اربعه صور بعد اف ام بي اف صاحبي انا دي عرفتي فهمتي زعما والله الا ساميكسيدات القضيه وانت تعرف Ahmed, il sait parler. Il a de bons arguments. Ah, mais c'est de bons arguments. C'est un petit bain. Je suis sûr que quand Khalid fait la situation, il aurait dit la même chose. Ce qui est sûr, je ne vais pas dire les chauves-souris à 3. Ça, c'est impossible. Je m'en fous. فهمتي انا زعما جي يو ما بار ما هاد الحمد لله نستافد في كلشي زعما جو سري ساتيسفي واخا نخرج ولكن نعم سي بيان دو غاني ولكن لا فيريتي باغي نزيد مازال باغي نزيد مازال ما شبعتش مي الحمد لله فهمتي سي بيان يا كابوه الفوتر شوف خالد راه ابري ريونيفيكاسيون راه ابري هادشي ريونيفيكاسيون ما كاين لا ايكيب ديالي لا ايكيب ديالك وفهمتي احمد انا نقول C'est ce qui va passer là, d'abord. Je ne peux pas sacrifier avec l'équipe hier. Libre, tu as sacrifié à l'équipe. Il y a plusieurs ennemis les deux côtés. Mais l'équipe d'hier, il va pas croire en Nani. Je suis là. انت صاحبي الا مشيتي اليوم انا بالنسبه لي انا اليوم في لي كونديسيون اللي كنت فيهم هايبر ستريسي
vu que la connexion d'Eric est merdique, je mérite de partir. Ah, tu mérites. Khalid, là, chauffe, chauffe. On a des fétistes. Chauffe, on a un peu de temps pour nous connaître, pour nous connaître. Mais tu dis que je mérite de partir. Ou tu as éliminé les sahibs, tu dis que je mérite de partir. Guys, si je me permets, ما تدرش بينا صاحبي ما تدرش بينا ما تدرش بينا بحال اللي تدرت بواهب حشومه صاحبي واهب راك سي تان بوني لي موم مش على والو ما عاد تقول شي حاجه عافاك اه فوز 5 كونتر 4 ياك اه باينه شنو غيطير الغيني في كاس بلا ما نكذب فهمتي راه طبيعة الحال كل واحد جو بور بور سوا ميم كل واحد ميم راه مي فهمتي دونك احمد عطى لي زعيم اون بلوس خالد اون بلوس لا اليمينيتي نتا واحد منكم واحد اون بلس انا ما نقولكش كنت اليميني اون بلس اليميني شي واحد مزيان في طونيك ولا شي مره ولا حاس بيه انت يتو بيرسيكوت شويه ولا حاس بيه باغي هو اللي يربح وموتيفي انت ربحتي فهمتي دون بيغ دو دو جو جوي سور لا استراتيجي محدكم باش ما كتناقشوا ما تلعبوش على فيلوفاس فيلوفاس زعما فوزيد انا شوف انا من فوزيد دو بون زليمون انا مين قالوا لي انا والامباسادور عرفت خالد ما عرفتش عرفت انا وخالد ما غنلعبوش بيلوفاس سالينا فوزيت لي دو فابورين وستواس 50 50 ديابل سي سي دو سا سرا دومون انا بعدا خالد والله الا دابا خلينا من النفاق وهادشي ديال اللعب فوزيت دو ميم خالد انا خالد بوغ مو انا بوغ مو راه هو احسن واحد في لي بونغولا احسن تم لي غو ديالكم احسن منا بزاف ولا كنتو بجوجكم مزيانين اختاروا شي واحد وبقاو في لو جو Ah, on peut, فهمتي حنا فواصا قلنا لك اربعه alors شوف انا ma question c'est très simple شوف الغينيفيكاسيون راه يكون مشكل est-ce que vous avez envie de gagner déjà بعدا انا j'ai envie de gagner bien sûr que j'ai surtout pas envie de perdre bêtement ouais on est bien d'accord il faut ça c'est j'ai surtout pas envie de perdre bêtement. Il faut jamais mettre sa vie entre les mains du destin demain on regarde voilà si tu peux changer ton destin voilà Rawahib, il peut confirmer ça. Je suis sûr qu'il a regretté. Ah, ou le diable à côté. Je suis sûr qu'il a regretté. زعما يا با بلوس كو خاي خالد بلوس الا كانت ليكيب ديالك تتبغيك الا كانت ليكيب ديالك تتبغيك حيت قلتي لك شي حاجه بلو تراجيك هو كو تي سون كو تي تراي طون ليكيب لا 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 لقيتيني غنقول لك واحد الحاجه الا كانت ليكيب ديالك تتبغيك بصح وما تتفكرش غير في راسها غتقول بعدا خالد سي ان بون اليمون الحمد لله اللي بقاو الفان ريبريزونتي ومن غتربح غيقولوا العز لي بونغولا ربحوا اكزاكتو انا هادشي بعدا اللي كيدير هادشي اللي قاتلي هادشي اللي قاتلي مهم واحد فينا يربح كسوا انت كسوا امينا كسوا سعد كسوا اي واحد كسوا الياس كسوا اسماعيل انا اللي بغيتي انا بعدا انا فهمتي قلت لك جو غاني مي سورتو جو با بيرد بيتمون وانا تديني هاد البيرد في لي امباسادور سي شمتا Oui, avec tous mes respects, ouais. Le diable, mesquine, il a été. Allez, maintenant, c'est le moment de décider. Qu'est-ce que vous décidez? Noir sur blanc. Vous sacrifiez quelqu'un ou on part au tir au sort? Au tirage au sort? Je vois un jeu. Je vais jouer à 100 millions ou quelque chose. Sa cause d'urgence. Sa cause d'urgence sera... Ouais, moi, non. تعلمت ليسبري دو كومبيتيسيون شويه فهمتي ويل فو ايت كومبيتيتيف سورتو نو غاتي با باش نمشيو لا رينيفيكاسيون انا شخصيا عمري قريت بحال هكا ومازال باغي نزيد نقرا باسكو غاتسالي في كلونطا غنمشي نعس غنبدا نتفق مع الربعه ديال العشيه كل نهار فهمتي داك الغيت رمضان جو سي با واش كملتو لا سيزون اون ديال لا رينيفيكاسيون مي زعما سي دوماج غينيفيكاسيون شوف غينيفيكاسيون انا ما فيها شي حاجه غينيفيكاسيون لا شوف بغيتي طيرونك راه غيطيرك كساسوا ما اليمينيتيش كساسوا اليمينيتي راك لا كنتي مفيزينيك راه مفيزينك من الاول من لي بيزود 1 تعرف وحنا خالد بالنا
فهمتي راه باين بلا ما نبقاو نهضروا بزاف دابا اسمعني دابا شوف تشوف فوا كو لي فور ما يمكنش واحد دار ان غون فور كامل ايوا قولها لراسك ما يمكنش تدير هاد لي فور كامل وتاليمين راسك صافي حتى مره كامله باش نيليميني راسي فهمتي سي سكون لابيل بيرد غبيط واش كتكون عندك الرعيه بحال اللي رعيه في يديك راك ما تسقاش من رعيه صاحبي تدخل في السياسه دابا اش من رعيه راك ما كتبقاش تشوف لي فور ديالك شوف انقول لك خالد راه باين كلشي باين شوف غير كلشي باين وراه في الميديسين وسورتو في الميديسين دورجونس خصك تصح قلبك راه الاستاذ يقولها لك Allez, il faut décider tout de suite même. Yalla Khalid. 3, 2, 1, vous avez décidé. Vas-y, Khoya. Ahmed. C'est clair. Chouf, éliminez les brites. Je ne m'en imposer sur elle. Éliminez les brites. Ahmed, qu'est-ce que tu as choisi? De sacrifier ou de tirage au sort? لا استاذ انا تيغاج وصور ولكن خالد هي ساكريفي ان شاء الله الو خالد باش نكونوا كات كات ونطلعوا بعد اف ام بي اف لا في لا ريونيفيكاسيون واخا خالد tu choisis qui tu choisis quoi 13 secondes 13 secondes ما تهضر مع حتى واحد ما شوف هضر مع راسك يا بالحسب لا لا اسا خالد ايش بري غوزير غود دويتش لاند اخر Quatre, trois, deux. Allez, Khalid. Tirage au sort ou tu sacrifies? Je me sacrifie, Oster. Tu te sacrifies? Ah, Oster. Tu t'élimines toi-même le tirage au sort? Je vais faire tirage au sort, Oster. Tu préfères tirage au sort? Alors, juste Khalid, on va. Khalid. Voici comment il fait. On va perdre bêtement, صاحبي انا وياك ايوا واش خالد بينا شوف بينا بينا اربعه وانتم بكم خمسه باينه صاحبي انا بعدا كنت بلاصه كنقول لك اخويا نعلميني دابا غنطير شي واحد انا راه جي بريباري لا بيس دي موني سي جامي فو ديسيدي ما غاديش ما نكونوش ايكيباب ما نكونوش كيفاش وراه غنكونوا ايكيطابل غنكونوا ايكيطابل 10 4 كونتر 4 لي كونفور ربحتيهم كاملين ربحتيو دوزي مينوت تي سويفي ربحتيو دابا اسماعيل شنو من ايكيطاب راكم بالعكس راكم قد نقدكم ولا راكم احسن منا لي كونفور كتربحوهم كاملين تكلا لي زمينوت تي شوف اخر حاجه نقول اصل الشوز لي كيما ديرونج غادي يكونوا افكتيف اكثر منكم وغادي تكونوا كتاليميناو دغيا غابيد شوف خالد سمع نقول لك واحد الهضره خلينا جالسين انا وياك نزيدو نتعلمو نزيدو نقراو فهمتي راه تعيا ما تقرا بوحدك راك ما تقراش فهاد القرايه وغدير واحد ليغاليتي دو نومبر وغنبقاو كاتي في ام بي اف والله الا بعدا حشومه صاحبي واحد فينا يمشي انا بغيت ما بغيتكش انت تمشي ما بغيتكش كاع شي واخا تقول لي انا ما نلعبش بيلو فاس وتساكريفي نتايا تساكريفي راسك وتخليني انا وما نخليكش ما نبغيكش تمشي انا مازال باغي نشوفك الوغ شوف ما بغيتكش تمشي يا خالد والله خلينا تري بيان جو بونس كون اسي ديسكوتي يلا خالد صافي صاحبي صافي لا لا واخا اسمع ان توكا نقولوا اخر حاجه نقولوها اخر حاجه ان توكا الا لعبنا بيلو فاس مثلا مش حيت قلتي لي قبيله غندير الاعداء غايلميني جوست ابري وصافي تسينا بعد ليبيزود اللي موراه وشوف واش غتاليمنا تقدر ما تاليمنا تقدر تربح لي مينيت تقدر تمشي هاد لارغومون هذا ما يلعبلكش في الدمار فهمتي راه تو سي باسكو اسكي بو اريفي تقدر ما يقول لك عادي فيغ بلاي حتى حنا الناس كنيليمينيوهم بحال دابا هذوك اللي اليمينينا معنا في ليكيب ديال لي شوف صغير عجبهم الحال بقاو كيدخلوا معنا كيقراو معنا زعما سو رونكول زعما راه عادي تاليميني شي واحد انا كانت كانوا مازال ليكيب ديالي فيها خمسه وانتم بكم اربعه غنيليمينيو واحد سون زيزيتي حيت شفت واهب وسعد فين داروا داك الشيء وانا ما عجبنيش الحال حيت كنت تاليمين بيسمون الوغ كو مين كتخسر لي مينيتي وكتفوتي على شي واحد راه سي لا ميم شوز اللي كدير دابا راك تفوتي راك فوتيتي على سلوى فوتيتي على اسلام فوتيتي على فهمتي سي لا ميم شوز زعما اسمح لي سورتو واش في خباركم شنو كان وقع لي فرامبواز شنو وقع لهم كانوا باغيين يطيروا ان ليمون من عندنا انا جي ساكريفي اون بلاص بور داك لي ليمون
l'épisode ديال من بعد يسي اليميني بوحدو ايوا فوالا يعني شوف rien ne te garantit ta place شوف rien ne te garantit ta place لا ما tu la garantis tu te la garantis toi même tu te la garantis toi même صاحبي الا موعدر ما كايناش كاينه يلا موعدر بقى هكا تن توصل للفينال استاذ سي بون on décide décision finale vas-y j'élimine Asma Aus tu élimines Asma Asma Aus bravo خي خالد bravo عليك احمد يسكت دابا الله يحفظك انا ساكت انا ساكت dans ce cas c'est vous deux qui allez lui annoncer la nouvelle c'est bon d'accord yalla khoya annonce khoya annonce le diable bravo عليك خالد برافو عليك انا عرفتك تو انتيليجون احترمتك انكور بلوس جو بار سيريوزمون وداك شلهبي يفو ابلي لي زوت يلا ابلي لي زوت سالي ماش بالك واش تشلهب احمد يدي لي تري بون شلاه بيا تلاقى وهاد الشوج Aïe, toi, Léon, moi, tu peux les appeler? Ouais, c'est bon. Léria, tu peux entrer le canchot avec la caméra? لا ديابل دار خدمته الصراحة شيجا مازال اسماء ريبونس اسكو تي لوموديلا حنا كنا ضحكي في هاد بيغلونتا ولا ترو سيريو هادشي ولينا كثر من الكولونتا الرحمن الرحيم لا مازال اسماء اللي ناقصه يلا عيط لها Alors déjà, c'est demain le premier épisode de réunification. Demain, pas fait? Demain à minuit, Inch'Allah. اصلا اللي في شي زود لي تزناف فيها استاذ راه هو هذاك ديال معرفش كنت نقول لك لو بي ريبيد ولك داك الريزونمون الزين الا داك لي جاش بعدا بوتوليزم استاذ بوتوليزم كنت قراتو لافي كنت قراتو كامل استاذ بلا كونديتاتونيغ ديال كل شيء كون دخلت لك هذاك الاورديناتور الصراحه بدا نصرفق بقينا غير كنخربقوا هذا سمي اسماء سدايا راه كتحاول تدخل على الكونيكسيون ديالها حقيره شويه
Anna, j'aimerais pas être à la place des ambassadeurs. J'aimerais pas être à la place des ambassadeurs parce que l'un des ambassadeurs, là les deux, ils ont décidé de ne pas se sacrifier. Alors, bonsoir. Oui. Allez, tout le monde est là. Écoutez, j'aimerais pas être à la place des ambassadeurs parce qu'ils ont décidé d'éliminer un parmi vous. Ils ont pris le choix de ne pas se sacrifier par tirage au sort. D'accord? Alors, je leur laisse la parole. Allez-y. Ahmed. Khalid, vous avez dit que vous avez dit ou là, ou là, non? Allez-y. Bon. Attends, j'ai la connexion bien. Il y avait beaucoup de... Alors, donc, il y avait une longue discussion. Donc, il y avait beaucoup de va-et-vient. La décision était très difficile. Anna, personnellement, j'ai subi l'adab de la dacht. Où est-ce qu'il ne pas lire? On ne laisse pas passer des choses comme ça. Personne, c'était entre les deux. Nous, on était en train de regarder. Kainat chez Céline. Kainat chez Hichem. Effectivement. Et vous pouvez toujours revoir le YouTube. Personne n'a intervenu. Même le diable, il n'a jamais goulé le Qadia. Donc ils n'avaient même pas besoin de les deux des diables. Donc ils n'avaient même pas besoin de Wahib. Wahib, j'étais tariti avec nous un peu. Ils n'avaient même pas besoin de toi. Vas-y Khalid. J'ai éliminé un membre de l'équipe de Tangoul. Tangoul, on s'en fout. En fait. Raja, pourquoi tu es revenu? Raja, qu'est-ce qui se passe? Raja, c'est quoi cette réaction? Je n'ai rien dit. Alors, tu enchouffes le nom verbal. D'abord, être le poste. Allô, Khalid, Ahmed. Malheureusement, c'est... Oui, ça, c'est très bien. Allô? Écoutez, je vais le dire. Ahmed et Khalid, ils ont décidé de sacrifier Asma. Ahmed et Khalid, ils ont décidé de sacrifier Asma. Asma, tu m'entends? Oui, oui, professeur. Asma, je te dis, je t'en rappelle que vous j'ai Asmati. Au fait, je suis venu, je représente les Casa. Mais quand je t'ai vu, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Je sais que tu assistes beaucoup aux ateliers. Oui. Tu n'as raté aucun atelier, tabarakallah alayk. Tu es parmi les meilleures étudiantes de Casablanca. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire déjà à la fin de cette aventure? Là, vraiment, je remercie tout le monde, l'équipe Djali, surtout, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. كنت فريمون كنت مهكازا مي الحمد لله دابا قريت بزاف د الحوايج تعلمت فريمون بزاف د الحوايج اسمع لا غنبقى لا غنرجع رجعت لا موتيفاسيون استاذ والله لا ما تخافش دابا صافي نعول لا فريمون لا صافي ان شاء الله صافي و سيغ سيغ ان شاء الله و فريمون انا فرحانه وبالعكس ان شاء الله خالد هو اللي غيدير اللقب سالينا برافو عليك برافو اسمع قلت لك خالد قلتها لك جبت لي دي راه الفير بلاي اخي alors اسمع tu lui en veux pas tu en veux pas Khalid bien sûr non اسمع bien sûr oui ما حقدش على خالد oui oui كنسمع ما حقدش مانيش لا بيان سور كو نو سيغمون 100% لا سيغ بونس لا 100% نو كنشوف فيه ان شاء الله هو اللي غادي بيكلانتا سيزون 2 تبارك الله عليه في بلاي ديالك لا زعما الله يرحمنا رباك والله الا انت والله سي لا غوند كلاس سي لا غوند كلاس ان شاء الله اسمع
غدا ان شاء الله ندير معاك لايف انستغرام عرفتي ماك تنقول لك امتى ان شاء الله صافي ان شاء الله صافي سي بون ميرسي بوكو بروفيسور والله مازال نشوف راه حنا مازال ان شاء الله انت قريبه حدايا ان شاء الله كي جاتي حدا كازا يلا باي باي يلا تكيت لا غينو اسماء بون هاجر Que penses-tu de la décision de Khalid? Personne ne veut être avec le moqif très bizarre. Et pourtant, il n'a pas de... C'est pas sacrifié, il a été égoïste quand même. Saraha, on ne peut pas juger parce qu'on n'était pas dans la discussion. Ahmed, il a bouffé. Non, c'est de là, mais c'est de là. Tu vois, allez, tu gagnes le temps. Il a bouffé, il a massacré. Ahmed, c'est dans le positif. Vraiment, tu es un don, un grand négociateur. Oui, il l'a convaincu. Il y a quelque chose. D'abord, tu fais YouTube, tu fais... Il faut mais si je l'ai convaincu... Avec des arguments logiques, sincèrement. Logique, voilà, c'était logique. Voilà. C'était... Je ne le convainquais pas à faire chez Haja Khaïba. Je le convainc à faire la bonne chose. Non, Dirty, un truc. Dirty, c'est par rapport à la faculté. Donc, les facs de fête sont bien représentées dans la ramification. C'est une chose sahbe qu'on va dire d'ailleurs. Donc, je dis, c'est le principe. Mais bravo, Ali. Quand tu as des arguments logiques, sincèrement. Logique. Tu étais cohérent. Khalid, comment tu te sens d'abord? J'avais pas beaucoup d'arguments à ce moment-là, je suis en train de faire les chiffres. Ça fait dire 1 sur 2. On a un excès. Mais en même temps, je suis en train de faire des choses pour les pigments de la barre de la bière. Alors, j'ai un truc sauf, Moi, je dis à moi, je suis désolé, je suis très désolé. دابا تقصيتي عاد ديزولي ها كوا بون ديري ليكيب كامله دابا راه عندك الريسبونسابيلتي انت درتي جي من بعد الغلطه ماشي انا امون افي لي بونغول هذه حقدوا عليك والاخرين هاي حقدوا عليك انا استاذ ما كنحقدوش استاذ لا ما يحقدوش استاذ فيت ان كونسنسوس في لو جروب استاذ لا كانت ليكيب قالوا كتبغي ما يحقدوش عليه ولامبورطون سي كو واحد منهم يربح قدمتيها سكت دابا انت قدمتيها لا استاذ انا صاحبي ما جبت باكو صاحبي انا قدمتي انا صاحبك انا راه ما كنتش كنقدم والله ما كنتش كنقدم لا لا صاحبي alors en tout cas bravo alaykoum je vous dis d'abord officiellement félicitations vous avez atteint le stade de la réunification دابا كله يضرب على راسه نبقى لا صاحبي لي حزانو استاذ ما نسيتوش هذيك الريزوركسيون تاع هي درنا استاذ دابا كله يضرب على راسو دابا كله استراتيجي ديال راسو ما كاينش لا فامي لا لا زان امي لا صحاب لا والو دابا كله يضرب على راسو دابو اي اون ا توس انفي دو غاني بور دو ريزون بور لو تيتر بيان سور سي توجور بون دو غاني توجور اي بور لا سوبر ساكو ديال ان شاء الله فريمون ساكو ديال ديال بصح خلينا من قلبي سي بون اون انفي دو غاني او با الوغ ديابل صافي الحيد صافي ديابل حيد ديابل حيد الكاسك اللي خلعتينا صافي حيد اللايف سيغ مي سيغ وي فوقاش هاد اللايف سيغ مي سيغ يوتيوب فوقاش سيغ مي سيغ يوتيوب سوف لا نويت لا نوي صد ما تدارش هذاك اللي قبل ما تحطش هذاك اللي قبل نحطهم بجوج نحطهم بجوج عندي الخدمه صحابكم نحطهم بجوج هادشي راه نقاتل معاكم صافي وهي تبارك الله عليك تي ميو كوم سا دو دوما نعم الوغ دوما ضرب غادي تفرج في لي زامباسادور افون دوما افون لي وي وي شوف دوما لا ايميسيون ا مينوي ان شاء الله صافي ان شاء الله الناس اللي على خاطرنا صافي لو تيم لو تيم انا انتما دير دابا الرينيفيكاسيون سافا دابا فريمون بوسي D'accord. Alors, chauf. À partir de la réunification, il faut toujours préparer de quoi écrire. Puis récent, une règle et l'ordinateur. Et qu'on voit, ça se peut qu'on des présentations. Il faut préparer ça. Ça fait. D'accord. Il faut préparer de quoi écrire. Puis récent, une règle et un ordinateur. Ça fait. Et à la bye bye. Bonne soirée et félicitations. Salim, merci. Merci pour tout. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.
Hicham, demain minuit, ça fait? Donc, 2h du matin, heure française. Voilà. Yalla, bye bye. Bonsoir. Bye. Bye. Bye.